Décembre 1999. Fin du millénaire. Violence, technologie et superstition envahissent le monde. La civilisation s'emballe, flirtant avec le chaos total. Dans cette ambiance survoltée, nos quatre héros découvrent un mystérieux cube d'iridium qui les propulse dans une course à travers le temps et l'espace. Objectif : récupérer 6 poignards sacrés. Enjeu : vaincre la bête de l'apocalypse. Adversaire : le boucher, un tueur surhumain au terrifiant pouvoir. À l'arrière-plan, des forces inconnues s'affrontent. Qui sont-elles ? L'heure de l'apocalypse a-t-elle vraiment sonné ? Où conduit l'énigme du réseau divin ? Vous vous réveillez tous. Vous êtes groggy alors que vous ouvrez les yeux. Vous entendez le bip caractéristique des monitoring d'hôpitaux. La pièce est plongée dans une semi-obscurité. Vous entendez dehors la pluie qui tape contre les fenêtres. Un éclair qui vient éclaircir votre chambre d'hôpital. Vous êtes. Vous comprenez pas trop. Vous tournez la tête à droite, à gauche. Vous voyez juste posé sur une des tables de chevet à côté de vous le cube et les deux poignards qui sont là. Vous venez de réintégrer vos corps. Où est-ce qu'on est ? Putain, merde ! Je me redresse. Enfin, je suis à nouveau un homme. Tu te redresses, hein, et tu vois que t'as la tête un peu qui tourne, hein, c'est... Vous sentez groggy, tu vois que vous avez tous une perfusion. Qu'est-ce qui nous arrive ? J'essaye de retirer ma perfusion. Tu retires ta perfusion, hein. Vous voyez que le liquide continue de couler, hein. Ça saigne un petit peu là où tu as retiré la perfusion. J'essaye de m'asseoir sur... Mais tu sais, les jambes en dehors. Mais tu bouges tes jambes, hein. Tu sens tes jambes sont en coton, hein. Comme si ça faisait 2 jours que tu n'avais pas quitté le lit. Oh. Quelle expérience de merde! Ouais, parle pour toi, t'étais pas une donzelle. Ah, j'étais un vieux, c'était déjà suffisamment chiant comme ça. Je retire le drap qui est sur mes jambes et je regarde sur ma jambe droite si j'ai l'hématome au niveau de mon tibia. Sur le bateau, quand je me suis battu contre le boucher, j'ai voulu lui faire une balayette, est-ce que j'ai encore l'hématome sur le tibia? Oui, mais tu vois que c'est quasi guéri, hein. D'accord. Le téléphone sonne. Je tends ma main vu que je suis assis, donc c'est plus facile de le prendre. Donc, Oui, allô? Reinhardt? Prometheus? Oui. Je vous fais surveiller depuis 2 jours. Vous êtes tous tombés dans le coma. Dans le coma? Oui. Cela fait 2 jours. Attendez. Attends, je mets pour le monde. Mets le haut-parleur, comme ça tout le monde entend, c'est Prometheus. Vous reconnaissez la voix de Prometheus, hein? Oui, on vous a retrouvé sur les quais. Vous étiez tous sombrés dans un profond combat. Cela fait 2 jours. On est parti combien de temps? 2 jours. Donc le temps passé là-bas est le même qu'ici. Mais je suis quand même content de vous. Toutes les lumières s'éteignent. Il reste juste les monitoring. Je me lève, je retire la perfusion. Il y a un poignard pas loin. Oui, les poignards sont pas loin de vous. Vous entendez un grincement qui vient du couloir. Moi, je prends un des poignards. Je me redresse. La porte s'ouvre. Vous voyez cette dame qui rentre. Vous voyez qu'elle a un scalpel dans chaque main. Le docteur a dit de ne pas jouer avec les poignards. Et vous voyez qu'elle commence à courir vers vous. Camille est la plus proche de la porte.
Je me jette du lit. Moi, tu te jettes du lit, hein, et tu tombes plus qu'autre chose, hein, par ton corps justement qui n'a pas de force, hein, et tu tombes en fin de compte derrière le lit, alors que tu vois un des scalpels, hein, qui vient se planter dans le lit là où tu étais juste avant. Josh, pour toi. Je sais pas ce qui me tend, mais je l'attrape. Je lance le poignard, parce que je sais que t'es plus doué que moi, donc je te lance le poignard. T'attrapes le poignard. Et je vais essayer d'y aller vers elle, quoi, et de la planter. Mmh. Les règles sont faites pour être transgressées. Tu lui donnes une bonne estafilade, en fait, avec le poignard. Hein. Ah, et elle essaye de te donner un coup de scalpel en retour. Oh. Et t'essayes, en fin de compte, hein, d'éviter, hein, mais... Elle te fait une estafilade, hein, avec le poignard, avec le scalpel. Hein. Elle t'a pas fait grand-chose, en fait. Hein. Elle a coupé un petit peu ta robe d'hôpital, en fait. Hein. Et au moment, en fin de compte, hein, où il se passe ça, hein, les fenêtres explosent, en fait, hein, vers l'intérieur. Hein. Sentent un grand souffle, hein, et vous voyez une silhouette que vous reconnaissez. Oh non, pas lui! Il est là avec son grand manteau, son chapeau, son visage décharné, son hachoir dans la main droite, un canon scié dans la main gauche. Que pensez-vous de ma copine, bâtard de Dieu ? Et il lève son canon scié. Et il tire. Je suis toujours à terre. Je me jette à terre. La même. Il tire, en fait, hein, et ça explose le monitoring, en fait. Donc je glissais... en dessous, quoi. Oui. Donc, hors de son champ de tir. Glisse jusqu'à lui pour pour l'avoir au corps à corps. Oui, bah, tu y arrives, hein, t'es à corps à corps avec lui. Hein, Et ben, je le plante. Et tu le plantes, hein. Et mais tu lâches. Je m'arrête pas à un seul coup. Hein. Je la fais à la prison break plusieurs coups. Quoi. Lâche, 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 lâche. Tu commences à le planter, en fait. Hein, tu vois qu'il lâche son hachoir au sol. Hein, et. Il essaye, en fin de compte, de te choper la main. Et il te chope la main, en fait. Hein. Et tu sens toujours sa force, hein, qui est assez impressionnante. Hein. Et il est en train de tenir la main. Et tu vois qu'il tient, même avec le couteau, avec le poignard planté en lui. Hein, Donc il me tient la main du poignard, c'est ça ? C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Il est en train de te tordre la main pour Donc te le faire lâcher. Alors, je me tourne en même temps, en fin de compte. J'utilise le même mouvement pour me tourner dans l'autre sens, pour me dégager de là. Tu vas me faire un jet d'agilité. Et tu te tords, en fin de compte, hein, et donc tu lâches pas le poignard, hein, et c'est vrai que t'arrives à te dégager en partie de son emprise, hein, et lui, il en profite pour te donner un coup de poing, en fait. Enfin, un coup avec la crosse de son canon scié qu'il avait encore dans sa main gauche, hein, et tu te le prends, et c'est assez violent. T'es estomaqué par la force du coup, et tu vas juste me faire un petit jet d'endurance. Utiliser un point d'héroïsme, donc ça me fait 110%. Ok. Eh ben, j'aime bien fait. Heureusement, t'encaisses, hein, et t'as gardé le poignard, t'as toujours le poignard en main. Josh. Je vais réessayer de la planter, ouais. Enfin, on va pas y aller par quatre chemins avec madame. Hein. C'est que c'est pas bien de maltraiter ses aînés, mais j'en ai rien à foutre pour le coup. Joue pas avec moi, mamie. Tu lui fais un coup, hein, et tu vois. Ah! Et elle tombe, en fait, hein. Elle se retient au niveau du lit, mais tu vois que tu lui as bien fait mal, hein. Reinhard, Camille. Prendre la perche des transfusions et essayer de l'empaler avec. Ok, vas-y, fais-moi le jeu. Oh, la violence. J'en ai Elle a changé, hein. Elle a changé la vie, Camille. Il me faut peur. Et en fait, tu prends la perche, hein. Et tu la tapes violemment au niveau de la tête, hein. Elle part dans le coin de la chambre, hein. Elle tombe le sonnet. Elle a même lâché ses deux scalpels, hein. Reinhard, toi de ton côté. Bah, moi c'était la même idée, j'allais prendre une perche et aller taper sur sa gueule en même temps aussi parce que. Bah là, elle vient d'être repoussée dans le fond de la pièce, hein. Et même moi j'ai eu un demi-regard, un regard vers Camille, genre. T'es un Cam. Alors, je prends quand même avec moi le. Je ramasse le scalpel. Le truc de perfusion, hein, quand même, pour me défendre si jamais quelqu'un. Et je vais vers la porte, par contre, moi, et j'essaye de sortir de cette pièce. Puisque Prometheus nous fait surveiller, donc il doit y avoir quelqu'un de son équipe quelque part. Ok, passés, ça marche. Donc, toi, tu prends le truc, hein, et tu te diriges vers la porte. Je l'ai planté, ça lui a pas fait grand effet, j'ai l'impression. Bah.
Tu sens que t'as planté quelque chose, mais bon, apparemment... Il a eu une réaction lorsque je l'ai planté. Ouais, tu vois, écoute, aïe. Enfin, en gros, quoi. Fait une grimace. Ah, d'accord, ok. Malgré tout. Eh ben, rebelote, je vais essayer de le planter... carotide, cou, tête, poids de cœur, là où je peux. Bah, tu le plantes, hein, mais c'est vrai que ton coup est quand même moins efficace que la fois précédente. Hein. Et lui, à nouveau, en fait, hein, il essaye de choper directement, en fait. Tu vois qu'il essaye de choper le poignard. Et il y arrive, en fait, hein, et il t'a chopé le poignard. Donc le poignard est dans sa main. Dans vos mains encore, parce que toi tu l'as pas lâché, mais tu vois, lui aussi de l'autre côté il l'a en main. Ben, je me bascule en arrière pour le soulever avec mes jambes et pour l'envoyer valdinguer en utilisant sa propre force, en fait. Tu tentes, hein, de le basculer, en fait, hein. Lui il va faire un jet en opposition, mais oh, en fait, hein, il résiste bien, hein, et ce qui vient pendant que tu bascules, lui il te tape au niveau du sol, en fait, limite il t'enfonce dans le sol et... Oh, et ça t'a estomaqué. Tu vas me faire un jet d'endurance pour savoir si tu ne lâches pas le poignard. Point d'héroïsme. Et je force. Je veux pas le lâcher. Tu continues à tenir le poignard, mais t'as le souffle coupé, hein. C'est la violence qui, du coup, en plus, bah, là, t'as tapé entre sa main et le sol, hein, et donc ça me fait échapper un gros son, un gros cri de douleur, histoire que il y a des gens qui s'aperçoivent que voilà. Je suis en train de me battre contre le boucher tout seul. Josh, il est comment le boucher par rapport à moi? Bah là, en fait, il est penché, en avant, et tu vois qu'il a la main sur la poitrine de Stan, hein, et il vient de l'enfoncer. Est-ce qu'il m'a dans son champ de vision? Il est occupé. Ok, donc on va faire une technique très très simple. J'ai appris ça dans un univers parallèle, ça s'appelle le backstab. Voilà. Et donc, bah, t'arrives, hein, et puis tu le plantes au niveau du dos, hein, et il se redresse, hein, en poussant un cri de douleur au moment où tu viens de le planter. Marrant, t'as l'air plus sensible que les dernières fois. Camille, il a porté de perche le boucher ou pas? Bah, si tu cours, oui, tu peux essayer de le frapper avec la perche, hein, si tu le souhaites. Mais j'y vais. Prends ça. Ouf. Tu viens le frapper avec la perche, hein, mais tu vois que il lève le bras, en fait, hein, et tu vois la perche se tord sur son bras. Oh. Reinhardt, tu ouvres la porte, en fait, hein. Tu vois que bah, le couloir dehors est plongé dans une semi-obscurité, hein. Tu vois qu'apparemment les gens sont plus ou moins en train de courir, et tu vois pas mal de monde, hein, mais tu vois pas de personnes armées ou autres, hein. Tu vois des infirmières. Si je vois effectivement personne, j'ai d'un seul coup un retour de mémoire qui me fait « Oups, on a oublié quelque chose » et je me retourne vers la table de nuit pour pouvoir récupérer le cube. Merci. Ok. Grande valeur, j'y pensais. J'y pense et j'étais là, je fais « Merde, demi-tour, le cube !» Donc tu fais demi-tour, hein, pour aller prendre le cube, hein, et tu vois que, en fait, hein, bah, vu qu'elle était seule, hein, la femme qui vous a attaqué, hein, qui s'est remis debout, en fait, hein, et qui te regarde en train de passer, en fait, et qui se jette sur toi. Donc oui, elle essaye de te frapper, mais voilà, elle ne te touche même pas, hein, et toi, tu l'évites, hein, tu passes sur le côté, et tu récupères le cube qui était sur la table de nuit. Tu as un lit entre toi et elle. Donc, on est deux à tenir le poignard. Il a donné un coup de poing sur moi, c'est ça, comme ça? C'est ça, ouais. J'enroule une jambe, mes deux jambes autour de son bras, et je lui donne des coups de latte dans la tête, en tirant un maximum pour récupérer le poignard. Donc tu lui donnes... un coup de pied, hein, dans le visage, hein, tu vois que, en fait, hein, il encaisse avec une facilité assez déconcertante, hein, et en fait, lui, tu vois, avec sa deuxième main, et il essaie de te repousser, en fait, hein, il te donne un coup, clairement, pour à nouveau te faire lâcher le poignard. Je lâche pas, point d'héroïsme. Yes. Non, tu tiens bon, en fait, hein, mais tu... Je vais être à court. T'as mal. Ouais, tu commences à avoir mal, hein, tu te sens pas bien. Vous voyez, vous sentez que Stan, il souffle très fort, et malgré sa condition physique, il commence à peiner, hein.
Josh. D'un seul coup, j'ai une illumination, un vieux souvenir de mon oncle qui m'a toujours dit « En cas de problème, vise la nuque. » Et tu plantes en fin de compte le poignard au niveau de la nuque, hein. Et... Oh ça le fait lâcher la prise. Ouais, il lâche un peu Stan. Je fais un roulé-boulé en arrière dès que je peux. Ok, Camille. Je recule. Okay. Eh ben mon grand, t'es plus aussi invincible qu'avant maintenant. T'as perdu ton action replay entre temps. Je garde la lance en. En opposition. Entre lui et moi. Reinhardt, t'as récupéré toi le cube. Ouais, premier réflexe, la vieille. Sur la tête. Vas-y. Tu vois le genre. Grosse le bateau. Tu la tapes, hein, et en fait, hein, tu vois, tu vois les crochets en fait, hein, qui se plantent en fin de compte au niveau de son crâne, et elle s'écroule au sol. Tu viens de tuer quelqu'un. Mais là, je suis en mode, elle va aller me tuer, donc pour l'instant, j'y pense pas ça. Donc, Stanislas, Camille. Tous les deux, vous en avez profité pour reculer. Hein. Josh, toi, t'es toujours dans le dos du boucher. Moi, je me suis reculé, mais je fais toujours face au boucher. Hein. Ok, bon, dans ce cas, je vais rester en backup pour toi, effectivement. On sera pas 3-2 pour maîtriser ce psychopathe. Moi, je me propulse sur lui. Je l'en. Et je lui fous le poignard, je vise le crâne. Quoi. Tu vises le crâne, hein, et oui, hein, t'arrives de nouveau à planter le poignard, en fait. Hein. Et tu vois qu'il fait un rictus de douleur hein, quand tu fais ça. Et il commence à reculer d'un coup. Et donc, il recule sur toi, en fait, Josh. Là, en fait, quand tu vois qu'il est en train de reculer sur toi pour t'entraîner. Hein. Ah. Josh, attention, il va tomber. Ok, bah dans ce cas, je vais faire une esquive sur le côté. Point d'héroïsme. Heureusement. Oui. Tu fais justement hein, ton esquive sur le côté, hein, tu bondis sur le côté, alors que tu vois que lui, il est reparti en arrière, hein, son objectif était de repousser, mais du coup, et en fait, vous voyez qu'il tombe par la fenêtre. Tan, toi, est-ce que t'as lâché ta prise, j'imagine, hein, enfin, il est trop fort pour que je le retienne, donc je tiens quand même le poignard et bah, je le laisse tomber, quoi. Et ouais, tu tiens le poignard, hein, et tu le vois, en fait, compte qu'il chute par la fenêtre, hein, alors que dehors, il pleut. Hein. D'ailleurs, t'as même de la pluie qui vient sur toi. Bah, tu t'es même un peu blessé les pieds parce que bah, vous êtes pieds nus. Hein. Il y a du verre au sol. Hein. Tu t'es un peu blessé les pieds. Ça te fait un peu mal par rapport à ça. Hein. Et tu le vois, tu vois son corps en fin de compte hein, disparaître par la fenêtre. Hein. Tu le vois en train de chuter de l'autre côté. Je me retourne et je dis faut qu'on décampe tout de suite. On se casse. Il faut partir. Josh, alors que toi t'as bondi sur le côté, tu vois qu'il y a quelque chose au sol. T'arrives pas vraiment à voir ce que c'est, mais quelque chose qui a dû tomber de la poche du boucher. Ok, je peux l'attraper. Je suis à portée de main. Tu peux l'attraper en fait. Okay. Hein, au moment où vous partez en fait. Hein, donc partez tous les quatre. Hein. Toi Stan, tu grimaces de douleur. De par les blessures que tu as te prendre au pied avec les bouts de verre. Vous voyez Reinhardt qui est un peu paralysé, qui est en état de choc. Je fous de baffe. J'ai Reinhardt, reprends-toi, il faut partir. Maintenant. Oui, je suis bon qu'à suivre. Là. Partez dans le couloir, hein, tous les quatre. Et vous croisez une infirmière qui... Vous voyez, c'est un peu la panique au bord de l'hôpital. Hein. Vous voyez que certaines sont éventrées, en fait. Ah ouais. Il y a du sang qui tache les murs. Ah ouais. Et alors que vous avancez, vous voyez un ascenseur qui s'ouvre. Hein. Et vous voyez quatre agents de sécurité qui commencent à arriver, qui sont orientés par les infirmières. Ou dans la panique, vous faites un petit peu discret en fait. Hein, toi, Stanislas, chacun de tes pas en fin de compte te serre les dents. Voilà, hein, te fait faire un rictus de douleur. Hein, Reinhardt, toi, tu suis un peu en mode zombie, hein, choqué par tout ce qui vient de se passer. Les autres, c'est l'adrénaline pour l'instant qui vous
qui vous fait rester debout, qui vous fait avancer, hein, alors que vous descendez, hein, vous arrivez au rez-de-chaussée, vous ouvrez la porte, hein, et là vous arrivez dans le hall, et là vous voyez énormément de monde, hein, vous voyez la police qui commence à arriver, et ainsi de suite, hein, une infirmière qui vous voit et tout ça, ah venez, on va s'occuper de vous. Bah on essaie de la suivre. Eh bah tu vois que il y a une zone qui commence à être installée, hein. Qui est installé au niveau du rez-de-chaussée pour s'occuper des blessés. Hein. A priori, il y a pas mal de gens qui ont été blessés, d'autres qui repartent en brancard, hein, alors que la pression commence à retomber un peu. Vous commencez à souffler, l'adrénaline qui commence à baisser de votre côté. Si on reste là trop longtemps, on les met tous en danger. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle pour la Météus ? Ou on prend une ambulance tout de suite. L'un ou l'autre, de toute façon. Il le sait, il en a été coupé. Tu es quelqu'un. C'était pas quelqu'un, c'était un monstre. Regarde le dispositif à l'extérieur pour voir si éventuellement, dans un chaos comme ça, il y a peut-être une opportunité pour choper une ambulance. Alors que tu regardes à l'extérieur, hein, t'entends quelqu'un. Laissez-moi passer. Et tu remarques un visage qui t'est familier et qui commence à approcher dans la foule, en fait, hein, et qui regarde à droite à gauche, qui semble chercher quelque chose ou quelqu'un. Quand il vous voit, je vous ai retrouvé, heureusement. Venez avec moi. Je vous emmène à Sanctum. Vous arrivez, hein, une limousine, il ouvre la porte, il t'aide à monter, Stan. Il vous fait rentrer tous les trois. Il ferme la porte, il rentre dans la limousine, il referme. Et vous partez, laissant derrière vous l'hôpital et toute son agitation. Je suis venu dès que possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? On aimerait bien savoir ça. J'allume le plafonnier et je regarde la lame s'il y a du sang dessus ou pas. Non. Il a même pas saigné, ce salaud. Je regarde mon poignard aussi par réflexe quand il dit ça. Il n'y a pas de sang non plus. Putain de merde, c'est censé être quoi ce truc ? Le cube, qui a le cube ? Vous avez pensé au cube ? Reinhardt, c'est Reinhardt qui a le cube. Donc Reinhardt est en état de choc, hein. Reinhardt. Quoi ? Le cube, tu l'as. Le quoi ? Le cube. Le cube, Reinhardt. Souffle. Quel cube ? Bah, je lui prends des mains, ce cube. Ah oui, ça. Désolé, mec. Ouais, il l'a serré en fin de compte de toutes ses forces, hein. Je le tends à Camille. Le cube. J'aimerais pour ma part inspecter. J'ai ramassé un objet, tu m'as dit, qui était visiblement tombé de la poche du boucher. Qu'est-ce que c'est ? Que j'avoue que dans ma fuite, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. C'est une carte, en fait. Une carte de tarot ? C'est le pendu. Decius, Caius, Lubricius. C'est ce qui est écrit au dos de la carte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Encore un truc qu'il va falloir qu'on demande à cet ordinateur-là. Vous arrivez au portail. Le portail s'ouvre, hein. Vous avancez dans la cour, hein, et reconnaissez le bâtiment, maintenant familier pour vous, de Sanctum. Et alors que vous descendez de la voiture, vous voyez Lord Prometheus qui vous attend à la porte, le visage inquiet. Il faut qu'on rentre à l'intérieur. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y avait maintenant des hommes armés dans la cour. C'est pas plus mal. Ça suffira pas, mais c'est toujours ça. Venez, rentrez. Vous voyez qu'il déplace son fauteuil, hein. Stanislas, vous avez besoin de soins ? J'appelle tout de suite sur le téléphone, hein. Et peu de temps après, un médecin qui arrive avec une trousse de secours commence à te soigner, qui te fait allonger. Déjà, il enlève les morceaux de verre après t'avoir donné un antidouleur. Et il commence déjà à enlever les morceaux de verre que t'as planté dans les pieds. Vodka. J'en ai besoin. J'en veux bien un peu. On vous sert un verre. Moi, je suis adossé contre un mur et je m'effondre sur le sol. Fesse sur le sol. Complètement. Reinhardt, est-ce que ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai tué quelqu'un. Je te dis que c'était pas quelqu'un. J'imagine que vous n'avez pas eu le choix. Je sais, mais c'est... Tu
Je t'ai défendu, Reinhardt. C'était lui ou toi. Je pourrais pas continuer comme ça. Je suis pas fait pour ce... Je comprends. Mais il semble que on ne vous laisse pas le choix. Puis à parler d'une carte... Doucement, Reinhardt, doucement. Ouais, cette carte. Je lui tends. Decius Caius Lubricus, c'est du latin, ça. C'est aussi ce que je me suis dit, ouais. On va pouvoir interroger l'ordinateur Socrate avec ses éléments supplémentaires. En effet. Si ça vous dérange pas, je vais le faire, ça me changera les... Ça me changera les... T'accompagne. Je me lève fébrilement et je me dirige vers la... Je l'aide à se redresser. La salle. Merci, Jean. Bah, vous prenez l'ascenseur hein, qui vous mène dans les sous-sols de Sanctum. Porte s'ouvre, hein, couloir très lumineux. Vous avancez dans le couloir, passez la salle de serveur et arrivez dans la salle de Socrate. Reinhardt, à toi l'honneur. Je vais commencer, si tu veux bien, par le Decius Caius Lubricus. Pendant qu'ils font les recherches, moi je vais lui demander si on pourrait avoir des vrais vêtements. Bah, vous avez encore vos affaires que vous aviez ramenées. T'es venu de Paris avec, donc qui sont dans vos chambres. Par contre, Josh, c'est pas une adresse pour les ordinateurs, ça ? Si, effectivement. Enfin, un site. Tu regarderais pas sur un... Ils ont pas un PC ici pour... Parce que je n'oserais pas le mettre dans Socrate. Même si c'est un piège... Je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être beaucoup de choses et pas forcément des choses bien. Bah, dans ce cas, je vais m'adresser à l'interphone et je fais... On aurait besoin d'un ordinateur, un qui ne soit pas Socrate. Oui, mais la pièce de Socrate, par contre, est totalement coupée. Donc, il faudra aller ailleurs. Mais oui, pas de problème. Ok, compris, je bouge. Venez en salle 2. C'est parti. L'interphone, donc, je sors, hein, et... Je regarde Reinhardt, je lui fais, bon, bah, tu m'as entendu. Je reviens dès que j'ai des infos. Ouais, de toute façon, je n'irai pas plus loin que ça et je t'attendrai pour la suite. Pas de souci, je te tiens au courant. Et je file effectivement vers l'ascenseur. Donc toi, de ton côté, bah, Camille, t'en profites pour te changer. Tu fais un peu le point aussi. Tu sais, tu te demandes ce que tu fais dans cette galère de nouveau, alors que t'es en train de te changer. Et oui, tu vois, hein, t'as les mains qui tremblent. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas trop. Toi, Stanislas, hein, c'est vrai que bah, t'es à la limite de tomber, hein, mais tu résistes. Hein. Et c'est vrai qu'avec la douleur, on est en train de te soigner, donc ils sont en train de te soigner au niveau des pieds, au niveau du torse également. Hein. Alors même si c'est là, c'est plutôt des contusions. Et donc ils sont en train de s'occuper de toi. Josh, t'arrives dans la salle 2, comme on te l'a dit, hein, et donc bah, tu vois qu'il y a plusieurs ordinateurs. Hein. Personne qui t'attendait là. Lord Prometheus nous a dit que nous devions mettre tous les moyens possibles à votre disposition. Ouais, super. Et sur ce, je fais pas plus attention que ça et je m'installe sur le premier ordi qui vient. Et Je lance Internet et je rentre effectivement l'adresse qu'il y avait. Tu rentres l'adresse, hein, recherche, connexion, et là tu vois une image en fin de compte, hein, d'un écorché vif sur fond d'un patacle embrasé. Bordel de merde, c'est quoi ça? Tu vois en fait juste mot de passe, et a priori on attend 3 caractères. Trois caractères. Decius Caius Lubricius. Donc ce serait DCL. Tu tapes hein, les trois lettres. Tu appuies sur entrée. Hein, et là, tu vois apparemment connexion. Ça a l'air d'être une boîte mail. Et tu vois qu'il n'y a qu'un seul mail. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, un seul mail, bah ouvrons-le. Hein, tu l'ouvres. Et c'est écrit Gisaikan, Pandemonium et une adresse à Rome. Camille, tu arrives à ce moment-là. Tu rejoins Reinhardt en fin de compte. Hein, tu savais pas où était Josh. Tu rejoins Reinhardt dans la salle de Socrate. Hein. Tu vois Reinhardt qui est seul là, en train d'attendre. Ouais, j'ai tapé Decius Caius Lubricus en attendant Josh et j'attends la réponse de Socrate. Bah, a priori, Socrate te dit que ça ne veut rien dire, en gros. Hein, Lubricius, voilà, c'est, tu vois que, en fait, ça correspond à rien. Fais une recherche sur la signification du pendu. Hein.
Donc le pendu hein, dans le tarot, hein, bah, c'est vrai que bah, c'est une carte qui a plusieurs significations. Après, une carte dans les tarots divinatoires n'ont pas seulement une définition, une seule signification, parce que ça dépend toujours des autres cartes que tu tires avec. Et dans le sens que tu les tires, de souvenir. Voilà. Et l'orientation qu'elles ont aussi. C'est ça, tout à fait. Donc c'est compliqué de faire un lien par rapport à ça. Toi, ben Josh, t'as noté tout ça, donc tu rejoins... Donc j'ai noté quoi au final j'ai... Bah, donc t'as noté ben, Jizaikan et l'adresse, le pandémonium avec une adresse à Rome. Dès que j'ai trouvé ça, je ferme l'ordi et je clean l'historique. Et ensuite, une fois que j'ai ça, je prends la note que j'ai prise sur papier et je vais rejoindre Reinhardt. Ok, donc bah, tu arrives, hein, d'ailleurs bah, tu vois Camille a rejoint Reinhardt, alors ils sont en train de faire des recherches sur Socrate. J'ai du nouveau. Ah Josh. T'as trouvé quoi ? Un site particulier, je dois dire. La première image qui m'a sauté à la gueule, c'est quelqu'un d'écorché vif sur fond de pentagramme. Oh. Charmant. Ouais, je te le fais pas dire. En tout cas, j'ai trouvé deux choses. En entrant les lettres DCL pour Decius Caius Lubricius, je suis tombé sur une espèce d'étrange adresse mail. Il y avait marqué ça. Et je lui montre le papier. Pandemonium, Jizaikan, et une adresse à Rome. C'est quoi Jizaikan ? Très bonne question, je comptais le demander à Socrate. Ben, Khan, si c'est de la famille des cadavres. Moi je connais. Comme Genghis Khan ? Ouais, je connais Genghis Khan, mais c'est peut-être sa famille. On va voir, on tape le nom Jizaikan. Jizaikan, propriétaire du Pandemonium à Rome, il semble mêlé à de nombreuses affaires de disparition suspectes, mais sans qu'aucune charge n'ait pu lui être retenue. Premier rapport de police sous son nom est mentionné date du 16 juillet 1856. Mais il est super vieux. Attends, 1856, ça voudrait dire qu'il aurait au moins 153 ans. Premier rapport de police. Il n'y a pas de fiche sur Jesus Kind, tu sais, comme on avait eu avec le boucher. Le MI5, ouais. Pas style MI5, mais plutôt style... Pas aussi détaillé, en fait. Hein. En fait, voilà, là, c'est un peu à condenser des différents rapports que vous avez réussi à trouver, justement. A priori, comme dit, mêlé à énormément d'affaires de disparition. Hein. C'est ce que vous arrivez à retrouver. Et donc, comme dit, bah, le premier rapport que vous avez pourrez remonter, hein. Oui, c'est encore un rapport écrit qui a été scanné, hein, et donc qui date de cette date, en fait. Hein. Donc... Une personne ayant le même nom que lui. Dans quel genre d'affaire il a été mêlé hein. Disparition. Ouais. Voilà. Okay. Pandémonium. Voilà, moi, ce qui me fait bugger, c'est vraiment genre mon âge, quoi. Oui, mais tu sais, ça peut être un nom de code et chaque personne qui prend sa place garde le même nom. Ah, pas con. Alors, Pandémonium, a priori, c'est ce que vous arrivez à trouver, c'est que c'est une boîte de nuit. Et l'adresse, je suppose, c'est celle qu'on a. C'est ça. C'est l'adresse du Pandémonium. Bon, et ben je crois qu'on a une destination toute trouvée. J'en profite aussi pour vous mettre les dernières news dans votre journal. Que je voulais demander, en fait. Allons-y. Global warning. Dans tous les pays, les services publics, la police, l'armée et les hôpitaux sont sur le pied de guerre pour le nouvel an. Civils, suivez les consignes de sécurité des brochures distribuées par l'ONU. Scoop, le journal scientifique Tech Life, révèle dans un article surprenant que le seigneur Kobayashi, le grand savant nippon, est sur le point de réaliser la première expérience de pilotage cybernétique. Monsieur Kobayashi s'est refusé tout commentaire. La comète de Gibson, elle sera visible dans tout le quadrant Est, Amérique du Nord, Canada, Mexique, le 31 décembre 1999. Coïncidence astronomique ou signe divin ? Le débat fait rage sur les principaux networks. Révision historique. Surprise de taille pour les experts chargés d'identifier le squelette découvert à bord du Queen Elizabeth. Le galion retrouvé le 2 décembre 1999 dans les Caraïbes. En effet, il s'agirait du très célèbre pirate Morgan, que l'on croyait mort et enterré sur le sol anglais. Complete Death Experience. Interruption du programme Arcard sur les phénomènes aux frontières de la mort après le décès de 28 anatonautes. Au cours d'une Near Death Experience, l'homme ne viole pas impunément le domaine de Dieu, déclare aux médias l'évêque Kingsley. L'OMS contre un virus, l'épidémie qui ravageait l'ex-URSS vient d'être enrayée par l'OMS. Il s'agissait d'un virus issu de l'exploitation accidentelle d'une arme bactériologique répertoriée. Le vaccin adéquat a ainsi pu être mis au point rapidement. Working on the Moon.
Pour célébrer le nouveau millénaire, un vaisseau spatial baptisé Millennium est parti de Cap Canaveral. Sponsorisé par un des géants de la boisson gazeuse, l'appareil rouge et blanc emporte à son bord 5 astronautes qui planteront sur la Lune un drapeau symbole de l'union des peuples du monde. Ça pue du cul. Mais violent. C'est tellement stupide et improbable que je vais commencer à croire à ton histoire de cavalier de l'apocalypse de merde. Je me permets de vous rappeler aussi, vous en aviez l'intention. La dernière fois, je pense que vous avez oublié, vous vouliez aussi demander à Socrate par rapport à Wayne. Prometheus. Alors, profil. Lord Philip Saunders Wayne est né le 18 janvier 1940 à Wilmington, dans le Sussex. Son père, comte de Wilmington, a fait carrière dans le Commonwealth et a peu fréquenté son unique descendant. Celui-ci a fait des études classiques à Oxford, puis s'est orienté vers la recherche informatique. Il fut l'un des pionniers de ce domaine en Grande-Bretagne en définissant des spécifications du Bulldog, le premier giga-ordinateur produit dans ce pays en 1970. Ses nombreux contacts avec les centres de recherche américains, IBM, et son activité de lobbying dans les années 80 pour Silicon Graphics en font très certainement une taupe américaine. Malgré des recherches répétées du service, rien n'a jamais pu être prouvé. Depuis 1990, il a abandonné ses postes de maître de recherche à Oxford et d'enseignant. Il consacre l'essentiel de son temps à financer avec les ressources familiales sa nouvelle passion, Sanctum. Sanctum est une fondation qui finance des groupes de recherche dans le domaine paranormal. Il a ainsi financé les recherches ufologiques d'un certain Skinner, ancien directeur adjoint du FBI. Un bateau sombre dans le triangle des Bermudes, des études sismographiques de deux chercheurs français dans la Grande Pyramide, etc., etc. On dit aussi qu'il possède la plus belle base de données mondiale sur ces sujets. Ces pistes sont d'autant d'indices qui militent pour une piste américaine, probablement la NSA, National Security Agency, qui répugne à laisser ce type d'affaires chaudes à la CIA ou au FBI. Corruption, aucune piste, ni financière, ni sexuelle. Recommandation, le cas Wayne mérite certainement un approfondissement. Les sujets surnaturels, qui prêtaient à rire il y a encore quelques années, sont depuis une réelle préoccupation du service. Un accès à sa base de données serait une première étape intéressante pour déterminer l'intérêt à ce dossier. Est-ce qu'on peut faire une recherche sur la note d'autorisation générale? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Je suis en train de taper au moment où vous me le dites. Parfait. Vous retombez sur le même genre de choses en fait, par rapport justement à cette note qui dit que il faudrait surveiller, que ça doit justement sûrement être une top de la NSA qui doit avoir un peu trop de contact avec les États-Unis par rapport au MI5, qui est service secret britannique, je vous le rappelle. Par contre, j'ai une théorie qui fait un peu farfelue avec le cube. Vas-y. On avait un poignard. Annonce-nous une mauvaise nouvelle. On a mis un poignard sur le cube parce qu'on en avait qu'un. Il nous a transporté quelque part. Maintenant qu'on en a deux, si on les dépose simultanément sur le cube, est-ce qu'il nous enverrait pas une troisième destination? Il y a 6 poignards à retrouver. Et ce serait pas juste à chacun un aller un retour? On a eu c'est un, ce que je pense, utilisé, mais on sait jamais on où on va tomber par contre. Pour revenir. Et là, on a une adresse à Rome aujourd'hui. Oui, sauf qu'il faut peut-être aller en 1856 et pas en... Je sais pas, le pandémonium, on peut déjà aller commencer à enquêter maintenant. On est à Londres. On est à Londres. De toute façon, rien ne coûte d'essayer de mettre le cube et de mettre les deux armes dessus. En plus, maintenant, on est chez Prometheus. Au moins, on est à l'abri si jamais on perd connaissance. À l'abri. Rien dit que... Tout est relatif, comme l'a dit Stan, c'est pas les gardes qui sont à l'extérieur qui vont retenir le boucher. Oui, mais on est déjà plus facilement transportable pour eux pour nous mettre ailleurs si jamais ils débarquent que l'inverse. Parce que regarde, on était dans une voiture la dernière fois. On s'est retrouvé à l'hôpital. Tu marques un point. Je pense que s'ils avaient voulu nous récupérer, ils l'auraient fait déjà. Sauf s'ils voulaient pas éveiller les soupçons, parce que de quel droit ils venaient nous chercher? C'est expliqué. Ils ont aucune légalité sur nous. C'est pas de la famille, c'est pas notre employeur. Oh, fait chier cette histoire de merde. Je tape dans un mur. Ça fait un bruit métallique. Je parle à l'interphone et j'essaye de voir si Stanislas et Prometheus peuvent nous rejoindre en bas. Je vais voir. Peu de temps après, tu as une réponse à l'interphone qui fait. Écoutez, Stan est pas très bien, il faudrait mieux que ce soit vous qui montiez si ça ne vous dérange pas. Pas de soucis, vous pourriez dire à Prometheus de nous rejoindre chez Stan.
Il est avec Stan. On va aller voir Stan, ce qu'il pense de cette histoire, parce que je crois qu'au plus vite on a les poignards, au plus vite on a les bras. Je considère que, voilà, vous prenez le temps aussi de vous changer, parce que vous étiez encore en... En pyjama, voilà. Moi, j'y vais direct. Vous rejoignez Stan, hein, qui est donc allongé. Une veste, un pantalon et un bonnet vissé sur la tête, on se sent mieux. Et Lord Prometheus, hein, qui est à côté. Une fois que vous êtes tous réunis, Lord Prometheus vous regarde et... Est-ce que vous m'expliquez ce qui s'est passé exactement ? On vous a retrouvé dans le coma. J'ai eu très peur pour vous. C'est le cube. Oh, t'en fais pas, hein ? On a voyagé en Égypte antique, la base. Comment ça ? Oh bah on a touché le cube avec un poignard et pouf, on s'est retrouvé en Égypte antique. Reynard était une fille, Camille un gros black, Stan un voleur et moi un vieux. Voilà, vous avez des questions ? Et le voyage a duré 2 jours. On était dans un corps de personnes mortes. D'accord. Et on a vécu 2 jours en Égypte. Ouais. Et on a récupéré le poignard dans cette le deuxième poignard dans cette époque. Lorsque l'un des poignards a touché le cube, nos esprits ont été propulsés dans des corps de personnes mortes en Égypte, à la même époque où il y avait la comète de Gibson qui passait dans le ciel. Et pendant ce voyage, il y avait un tas de chiffres, de numéros, et c'était comme un compte à rebours. Ça parlait de réseau divin, je crois. Nexus. Nexus 1, réseau divin, un sceau. Et on avait 48 heures. Et sur Praas, on a vu Khéops, le pharaon, sacrifier des centaines de personnes avec l'un des poignards. Il a ouvert une porte sur quelque chose. Il y avait des tentacules qui sortaient de nulle part, d'une autre dimension. Ils l'ont même chopé. On lui a acheté un javelot enflammé. Au moment où Josh a récupéré le poignard, on a revoyagé une fois qu'il a retouché le cube. Et on a atterri à l'hôpital, où le boucher nous est tombé sur le rabre avec une de ses acolytes, une clodo. Une vieille. Oui, c'est moi-même qui vous avais fait transporter à Saint-Catherine Hospital pour... Je ne pensais pas que vous seriez en danger là-bas. Je m'en excuse. Si j'avais su, j'aurais mis des hommes pour... Vous n'aurez rien pu faire contre le boucher. Ça va, on n'est pas à ça près. Par contre... On a une théorie, Stan. Enfin, j'ai avancé une théorie. Un poignard, un voyage. Maintenant qu'on en a deux, peut-être essayer de les mettre sur le cube tous les deux pour faire le second voyage. Trouver les autres. Je ne sais pas ce que t'en penses. Doucement, Renard. On a aussi cette adresse en Italie, je te rappelle. Le pandémonium. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut... C'est à l'époque... C'est pas la bonne époque qu'on va y aller en y allant en avion. Eh ben, y a qu'à dire à Prometheus de faire attention à nos corps si on voyage dans le temps ou je ne sais quoi. Et si ça marche pas, on peut y aller en avion et suivre ce que vous avez expliqué. Et rappelez-vous, le boucher peut nous suivre. On a eu l'information là-bas. Faut pas qu'on parte seul, faut qu'on ait quelqu'un que là-bas. Le boucher utilise le même réseau que nous. Ce fameux réseau divin pour voyager. Mais c'est quoi le réseau divin ? On aurait dû demander à Socrate. Socrate ne saura pas ce qu'est le réseau divin. Ça n'est pas humain. Sachez qu'en tout cas, tous les moyens de Sanctum sont mis à votre disposition pour vous aider. Tout ce qu'il vous faut. Vous voyez, un matériel, financier. Bah écoutez, si le coup des poignards fonctionne, il va juste falloir veiller sur nos corps le temps qu'on revienne. Très bien. Bouger si jamais le... Attends, tu veux vraiment qu'on y revoyage comme ça, sans indice ? Je veux dire, c'est hyper risqué. Comment on peut être sûr qu'on va atterrir en 1856 en Italie, devant ton pandémonium ou je ne sais quoi ? Comment on peut être sûr que ça existe déjà à cette époque ? Et quand on est atterri en Égypte, comment on a réussi à se débrouiller ? Comme le destin ou une main divine, je ne sais pas quoi, ou le hasard, nous a fait rencontrer ce Narabas. On a pu même rencontrer le Sphinx. Peut-être qu'est-ce que c'est tout est écrit ? Est-ce qu'on est que des pions ? Ah, je sais pas. Je déteste être une marionnette. Bah, je l'ai été toute ma vie et je ne veux plus que ça se reproduise.
Alors on fera ce qu'il faut pour écrire nous-mêmes notre histoire. Mais elle devra s'écrire avec ses six poignards. On l'écrira avec ses six poignards, dans de l'encre ou dans du sang. J'en ai plus rien à faire à présent. Et soyez-en sûrs, Renard, Camille, vous aurez certainement à faire du mal à des gens. Peut-être même des innocents, c'est tout à fait possible. Il faudra le faire. Il va falloir être fort. Je sais pas si j'en serai capable. Tu l'as déjà fait. Je vais agir en bonne Amerloc alors. Et puis je vais pas vous mentir. Cette histoire m'amuse beaucoup trop. Tu me fais peur parfois, Josh. Ouais, ils disent tout ça. Je prends mon poignard, je le mets bien en évidence. Le cube, Camille ? Eh bien, je pose le cube à côté. De toute manière, si ça ne fonctionne pas, nous prendrons l'avion. Je sors mon poignard aussi, du coup. Je prends les poignards. Et je dépose les deux sur le cube et je demande aux autres d'approcher peut-être leurs mains. Si ça se trouve, les mains au contre. Comme... Non, dans la voiture, tu poses ça les pas compté, j'étais la seule à toucher. Deux poignards sur le cube et il se passe rien. Et là, je reprends ma respiration. Et ben voilà, nous prendrons l'avion. Donc, je prends les poignards, je fais un poignard, le deuxième. Josh, vous avez l'air d'être plus qualifié pour l'instant. J'ai pas de main gauche quand il s'agit de ce genre de choses, en effet. Je lance l'un des poignards. Merci, papy. Je vais en garder un. Renald, tu gardes le cube. Oui, Camille, tu... Ou Camille. Camille veut. De toute façon, à un moment donné, nous aurons tous, si ça continue comme ça, un objet sur nous, quoi qu'il arrive. Faut forcément qu'on ait de quoi se défendre. Bon, il va falloir faire une liste de courses. Et oui. Dedans, il y aura un jet privé. Et direction Rome. Il faudra quelqu'un pour aller sur le port là-bas. Je regarde Prometheus avec un espèce de petit sourire insolent. On mettra tout ça sur votre note. Je m'occupe de tout. Moi, ce qu'il vous faut, vous l'aurez. Par contre, pendant qu'ils font les courses, moi, je redescends chez Socrate. Je commence à me demander si tous ces événements n'ont pas des liens à un moment donné ou un autre avec ce que nous allons vivre. Ou vivre. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver en romantique. Si on se retrouve chez une civilisation d'Aztèques qui font des sacrifices humains en vous arrachant le cœur, c'est juré, je me fous en l'air. Ne parle pas trop vite, Josh. Ouais, je sais. On peut s'attendre à tout maintenant. Ouais. Au début, je voulais pas trop croire à toutes ces conneries, mais... Bah écoute, oh merde, je commence vraiment à être obligé. Vous avez poignardé ce boucher là comme des malades, pas de sang sur vos poignards, il est toujours debout. Je me pose vraiment des questions, c'est quoi ce truc, c'est qui? Il peut pas il être sort humain. D'où, il veut quoi? C'est pas humain, c'est sûr. Sinon ça fait longtemps que Stan et moi on l'aurait descendu, ne serait-ce que dans l'ascenseur quand on l'a arrosé de mal. Et s'il était comme nous en Égypte dans un corps mort, ça expliquerait pourquoi il saigne pas. Mais d'où il vient? À mon avis, c'est un corps mort qu'il habite à chaque fois. Sauf que c'est le même, c'est pour ça qu'il est aussi dégradé. Enfin bon, préparons-nous pour aller à Rome. Pose trop de questions pour l'instant, on verra sur place. Bah, vous allez vous reposer, hein. Forcément, ce que vous avez demandé ne prépare pas une heure, hein. Donc, comme dit, tout ce que vous demandez comme équipement, vous l'avez, sans problème. Que ce soit... armes, équipements particuliers, donc là... Qu'est-ce que je pourrais demander pour pouvoir me défendre? Alors, pour moi, c'est comme d'hab, c'est comme la dernière fois, mais par contre, pour les autres zigotos, je vous conseille de prendre un fusil à pompe à canoncier. Vous n'avez pas trop besoin de savoir viser, ça a suffisamment de puissance pour le faire reculer d'un mètre ou deux, moi. Et moi aussi. Je t'apprendrai à tirer. Gilet pare-balles parce qu'il utilise des armes à feu, et après, je vais pas vous dire de prendre des grenades parce que là, vous allez pas savoir quoi. En fait. Je préférerais quand même une arme beaucoup plus légère pour moi. Je me vois mal tirer avec le... Je lui ai vidé deux chargeurs dans le corps, ça lui a strictement rien fait. Je pensais pas à... au boucher, je pensais plutôt à ceux qui peuvent... ses acolytes. Parce que je me sens pas à la force de tenir l'arme que vous... Voilà, vous prenez des Beretta 9mm avec silencieux, enfin, atténueur de son, des chargeurs supplémentaires... éventuellement un couteau en cheville, et puis voilà, déjà, de base.
mais avec ses acolytes, ouais, gilet pare-balles, et si elle bouchait, le fusil à pompe, ça marchera mieux. Ouais, moi, j'emmènerai un lance-roquette, mais là, franchement, ça, je le sens pas. Beretta, gilet pour moi, et quelques chargeurs, enfin, deux chargeurs, ça suffit. De grenades fumigènes, de grenades offensives, défensives, couteau, pistolet, chargeur comme d'hab, et le fusil à pompe, grand imperméable, gilet pare-balles, tout ça. On a récupéré aussi vos affaires à l'hôpital, que vous avez pu trouver, hein, vos vêtements, téléphone, ce que vous aviez sur vous, hein, finalement. Je dis à Prometheus, vous pouvez faire en sorte que Stanislas Karamayov soit mort à l'hôpital. Je ferai jouer mes contacts plus tard. Pourquoi tu veux être mort ? Pour simplifier les déplacements. Il a pas tort. Bah, du coup, moi je vais prendre juste un fly. Faudra m'apprendre à tirer et un couteau. Je sens pas de prendre un gros truc fusil à pompe là. Ok, bah, une fois que vous avez préparé tout cet équipement, je vais. Oui ? Oui, allez-y. Vas-y, Renard, toi d'abord. Checker mon téléphone pour voir si j'ai eu des appels de. C'est une mauvaise idée. Tu en as eu. C'est une mauvaise idée. Fais gaffe. Ils peuvent taper là où ça fait mal. Qui a appelé ? Bah, tu vois que Mathilde essaie de te joindre. Est-ce qu'elle a laissé un message ? Tu vois que oui, elle en a laissé un, et puis après, elle a réussi de rappeler sans forcément toujours laisser des messages. J'écoute juste le premier message, enfin le seul message qu'elle m'a laissé. Bah, tu vois que voilà, elle t'a appelé pour demander tes nouvelles, hein, parce que tu l'as laissé sans nouvelles pendant 2 jours et c'est pas à ton habitude. Je vous conseille à tous, si vous avez de la famille ou des proches, de faire un test à mon vidéo. Quoi ? Attends, là tu choques un peu Ménard, donc y'a quoi ? Pourquoi ? Désolé, mais non merci. C'est comme vous voulez. Je veux pas mourir, moi. Je vais pas le faire et je vais te dire pourquoi. Parce que je vais pas crever. J'ai déjà pris mes dispositions à notre retour des Caraïbes. Pour ma part, j'ai toujours, vu qu'on a récupéré nos affaires, j'ai toujours mes points américains. Oui. Bon, j'ai toujours mon flingue. Mmh. Très bien. Bon, ça fait ça de moins. Un peu de quelques charges, des chargeurs, histoire d'être sûr de pas être en manque de balles tout de suite. Un gilet pare-balles et pareil une grande veste, un imper, quelque chose. Ok, ça marche. Et comme la dernière fois, hein, des communicateurs pour te porter. Pare-balles. Ok. C'est une bonne idée. Ça marche. Donc on vous fournit tout ça. Par la suite, ben, il y a l'homme de main de l'ordre Prometheus, hein, qui vous amène dans un à l'aéroport. Vous ne passez pas par les portiques classiques, hein. Et vous voyez, après vous rejoignez le tarmac, hein, et vous voyez un jet privé qui vous attend. Un pilote, un copilote et une hôtesse de l'air pour seul équipage. Le pilote vous accueille. Messieurs, madame, on m'a dit qu'on allait à Rome. Eh bien, effectivement. Faire les préparatifs. Vous pouvez vous installer. Donc, disparaît dans le cockpit. Tout doucement à tout le monde, je fais. Il y en a un qui sait piloter en cas de besoin. Ça risque pas d'être moi, tu sais. Je connais pas les gens, donc je pose la question. Je suis non, j'ai fait mon service militaire dans la marine. À part sur F0, non. Oh putain. Croisons les doigts. Oh, ça va, ce serait quoi, notre deuxième crash d'avion ? Ça va finir par devenir une habitude. Non, je disais, tant qu'ils sont pas morts, ça va. Juste à noter, hein, j'imagine qu'on a dormi à Sanctum. On n'est pas parti sur le champ. Tout à fait. Non. Vous êtes reposé, tout ça. Comme dit, il a fallu un certain temps pour. Voilà. Donc, j'ai mis le temps à partir. J'ai montré à Camille et à Reinhardt comment on tire, comment on enlève le cran de sûreté et comment on recharge. Ok, ça marche. Parce qu'autant Sanctum a des moyens, c'est pas juste en claquant des doigts que. Ouais. Réunir tout ça, hein, forcément. Pendant ce temps, moi, je me suis un peu, pendant que Stan apprenait aux autres à tirer, je me suis un peu entraîné aussi de mon côté. Un peu de tir, quelques techniques de corps à corps, réviser un peu mon Krav Maga, tout ça.
Donc le vol se passe sans encombre. Hein, test de l'air, vous demande si vous voulez quelque chose à boire ou autre. Hein, le vol dure environ 2 heures. Alors que vous commencez à approcher justement de une brochure hein, d'ailleurs, hein, un magazine hein, qui parle de Rome. Hein, Photoshop, un bûcher qui trône la place Saint-Pierre. Dans les flammes, les traits déformés d'une femme. Oh. La légende dit, en ces derniers jours du millénaire, aucun lieu n'est épargné par la folie des hommes. Un parfum d'apocalypse flotte sur la ville, alors qu'il y a régulièrement, vous prenez ça dans les news, des affrontements entre les fanatiques de l'église et des marginaux exaltés, hein, fanatiques qui sont exaltés hein, par justement Ramus Ier, le nouveau pape en ce moment. Et donc, vous arrivez dans cette Rome décadente et vous sortez de l'aéroport. On va prendre un SUV que j'imagine que Sanctum a déjà loué. Une location, si vous l'avez demandé, oui, il y a une location qui vous attend. Que vous récupérez votre voiture. Et je distribue, j'ouvre une sacoche, je distribue à chacun un petit peu d'argent local. Mm-hmm. Et puis, je mets le contact. On respire à fond. Je mets le GPS en route et puis on y va. Ok. Quelle est votre destination ? J'imagine qu'elle est de l'autre côté. Direction l'enfer. La raison pour Pandémonium, hein, que vous arrivez à trouver sans trop de problèmes, hein, vous garez à proximité. Évidemment, quand vous arrivez, vous voyez, c'est un bâtiment hein, qui est fermé. Pleine journée semble normal hein, pour une boîte de nuit. Et donc. Un bâtiment d'extérieur qui ne paye pas de mine, ça a l'air assez important. Et juste, les lettres, hein, Pandémonium, éteintes, donc sur le devant de deux grandes portes, en fait, semblent capitonner. Donc on a fait un tour, on se gare dans une rue un petit peu plus loin, pas trop. Merde. On se gare. Je dis votre plan, on rentre en force. Ou est-ce que vous avez une autre idée ? D'habitude, on dit que c'est les loups qui vont dans la bergerie, pas les moutons qui vont directement dans le territoire des loups. Est-ce qu'on n'attendrait pas qu'elle soit ouverte pour aller voir ? Je ne pense pas qu'on va nous laisser entrer avec les tenues qu'on a. Eh bien alors, autant aller acheter des tenues un peu plus classe. Vous pouvez dire adieu à vos gilets pare-balles, alors, dans ce cas-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on entre en force, on sera encore plus suspect. Autant se fondre un peu dans la masse. On peut aussi rentrer par derrière. Et passer pour des gens encore plus suspects. J'ai l'habitude. Pas nous. Dans l'idée, il y aurait que nous deux, papy. J'aurais peut-être dit oui à ton plan. Mais il y a ces deux-là, je te rappelle. Je me sens comme un boulet. Je vois l'air un peu peiné de Camille. Je dis pas ça pour te faire de la peine, Cam, hein. C'est juste que vous avez pas l'habitude de ce genre de truc. Arrête-moi si je me trompe, mais. Mais toi, t'as l'habitude, toi aussi. J'ai pas plus l'habitude, mais. Ah, je suis américain, hein, je suis un peu con, et je m'habitue vite à ce genre de situation merdique, c'est tout. T'as qu'à le prendre comme ça. Il y a éventuellement une autre solution. Hein. On peut aussi déshabiller Camille, elle peut aussi postuler un poste de danseuse. Alors, quand il dit ça, je. Moi, je suis complètement sérieux et aucune émotion. Mais non. Là, Stanislas, vous êtes. C'est un peu comme ça. C'est tellement stupide que je suis prêt à accepter. Vous la balanceriez comme ça. Oh, qu'il est con. Mais non, je me ferais passer pour son agent, évidemment. Vous croyez qu'à un moment donné, vous ne serez pas séparés. Une fois que je suis à l'intérieur, à vous de voir. Je peux pas vous forcer. C'est la meilleure de la journée. Oui. Non. Il est tout seul aussi. Le problème, c'est que je suis même pas. Vu la taille du bâtiment, il me faudrait peut-être 10-15 minutes pour nettoyer entièrement les locaux. Nettoyer. D'accord. Ok.
Bah, le problème, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'on va chercher. Oui. Les infos que tu avais. Si, si. Hein, mais... On sait ce qu'on va chercher. Un poignard. Il n'y a aucune information comme quoi il n'y a pas l'arme. C'est la carte qu'il y avait sur. Qui t'a dit le boucher ? Zaykan, le boucher qui avait une carte avec. Ah ouais, et qui dit que c'est peut-être un de ses. Employés. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en restant dans cette voiture, on ne saura rien. Et avec l'adresse, il y avait une heure, quelque chose, un rendez-vous ou. Ou il y avait juste l'adresse ? Je crois pas qu'il y avait plus de précision. Là, il est dans l'après-midi à peu près. Donc. Option danseuse, option on y va tous en même temps en force, option j'y vais tout seul et je nettoie, ou vous avez une autre option, comme vous dites, vous rentrez en vous faisant passer pour des clients, mais va falloir attendre. Si on passe en revue, se faire passer pour des clients, c'est l'option la moins risquée au départ, mais si ça tourne au vinaigre, on sera plus désavantagé. Si on y va en force dès à présent... On risque de se faire repérer bien plus facilement, mais par contre, on sera mieux préparé. Si Gamy se fait embaucher, c'est le même problème que les... ça pose le même problème que la première option. De toute façon, vous me laissez pas seul là-dedans. Ce sera encore plus suspect, et effectivement, ça peut être dangereux pour Camille. Et si t'y vas tout seul pour nettoyer, personne sait ce qui nous attend là-dedans, donc c'est impossible de prendre autant de risques. On peut pas te laisser y aller tout seul, quoi que t'en dises. J'enlève les clés du SUV, je les jette sur les genoux de Reinhardt, je descends du véhicule. Tu comptes aller où comme ça, papy ? Je remonte le col, je m'allume une clope, et je vais en repérage. Ok, ça marche, hein. Donc, comme dit, hein, c'est deux... Un peu comme deux entrepôts, hein, là où serait justement le pandémonium. Hein. Et c'est que bah, tu passes devant, tu regardes, hein, et tu vois qu'il y a des caméras. Apparemment, il y a l'air d'avoir pas mal de caméras. Mm-hmm. Je le regarde depuis la voiture, mais j'ai une main qui est fébrilement accrochée sur la crosse de mon flingue. J'ai le système de communication, hein, donc je vous dis à voix basse, une caméra, deux caméras, angle de vue, telle rue... Tu vois que les fenêtres semblent sécurisées. Ce n'est pas forcément étonnant par rapport à une boîte de nuit. Hein. Souvent, c'est capitonné hein, à cause du bruit et ainsi de suite. Hein. Mm. Tu fais le tour du bâtiment. Hein. Tu vois, en fait, c'est pas une porte à l'arrière, hein, mais tu vois une entrée d'une cour, pareil, sécurisée. Mur d'enceinte débarbelé sur le haut. Ton habitude, tu vois, tu attends un peu... Tu entends des bruits de pas à l'intérieur, des gardes, sûrement même des maîtres chiens qui patrouillent. Ouais, c'est clairement pas une simple... forteresse, le truc. C'est une putain de forteresse. D'où le fait qu'on puisse pas y aller comme ça. On va regretter le lance-roquette au final. Il y a un point en hauteur où je peux regarder au-dessus du mur d'enceinte. Quitte à aller dans un bâtiment ou dans des appartements à côté pour avoir un angle de vue plongeant. Quitte à monter sur les toits, éventuellement, des bâtiments environnants. Tu observes, tu regardes, hein, ça te prend pas mal de temps. Hein, t'arrives à un immeuble, hein, tu commences à sonner, tout ça. Parce que c'est quand on te répond en italien, donc c'est pas forcément toujours évident. Et puis à un moment, t'as quelqu'un qui rentre, hein, puis t'en profites pour rentrer dans l'immeuble à ce moment-là. Tu grimpes, tu cherches, t'arrives à trouver l'accès qui monte justement sur les toits. Donc, comme dit, ça te prend beaucoup de temps. Tu fais toujours le point régulièrement avec tes compagnons hein, pour leur dire. Et t'arrives à avoir en effet un accès en hauteur qui te permet d'avoir une vue sur la cour. Hein. Donc la cour, tu vois, bah oui, hein, ça a l'air sécurisé. Tu vois en effet bah, des gardes avec des maîtres chiens. Et c'est tout ce que tu peux observer d'aussi loin parce que ben, vous m'avez pas dit que vous prenez des jumelles ou autre. Ouais. Donc là, l'après-midi est bien entamé. On arrive au début de soirée. Hein. Donc, je sais pas si les autres vous en profitez pour faire quelque chose, vous attendez. Bah, est-ce qu'on en a pas profité pour aller acheter des tenues, oui, justement. Ah, vous pouvez, hein, oui, tout à fait. Hein. Au cas où on utilisait ce plan-là, oui. Bah, il y a qu'à envoyer la personne la plus précieuse d'entre nous pour aller acheter des fringues, Reinhardt. Oh, pas de problème. Je déconne. Bah, en même temps, c'est moi qui suis le plus artistique de tout ça. C'est vrai. Oui, alors par contre, si je te laisse choisir mes fringues, on n'est pas rendu. Donc moi, je vais prendre ma propre tenue. Hein.
Bon, donc, vous, pendant ce temps, vous allez acheter des vêtements, ce qui coupe la communication, en tout cas pour ceux qui y vont, hein, parce que vous pouvez pas y aller avec des, ouais. Et des communicateurs, hein, forcément. Ce serait pas hyper discret. Et donc, entrer dans le magasin et tout ça, hein, le vendeur, mais c'est pour quel genre de soirée, demande Vous connaissez le Pandémonium? On veut essayer ce soir. Ah, le Pandémonium? Ah bah vous savez, c'est très select, hein. C'est vous rentrerez pas comme ça. Ah bah oui, hein. C'est-à-dire? Ah bah ben, vous savez, les gens... On a dit beaucoup de bien. Ah du bien? Ça semble plutôt une secte, hein, vous savez. Sérieux? Hein. Les gens, ils viennent déguiser, déguiser en monstres. Apparemment, il y a des orgies macabres là-dedans, hein. Moi, j'y mettrai pas les pieds, hein. Ah oui. Là, ça commence à devenir intéressant. Moi, je flippe, là. Moi, au contraire, j'ai un grand sourire un peu malsain sur le visage. C'est très bizarre, mais quelque part, ça m'éclate. Et c'est sur invitation, ou comment ça se passe? Ah bah, c'est pour les habitués, hein. Ouais, mais pour être un habitué, il faut pouvoir rentrer une première fois dedans. Ah bah, ça, moi, je ne sais pas, hein. Ouais, c'est pas avec mon petit salaire de vendeur dans un magasin de vêtements que je vais pouvoir rentrer dans le Pandémonium. Vous voyez un peu le style de vêtements qu'on a besoin pour aller là-bas. Déjà que vous avez de la chance de tomber sur un vendeur français, déjà, c'est déjà pas mal. Comme c'est à Rome, hein, c'est vrai qu'il parle français. Ouais, c'est... Pas ouais. Français, mais il parle français. Et donc, il vous... Choisis des fringues, alors oui, hein, c'est fringues plutôt noires, ce genre de choses, ouais, c'est... Ah bah vous ressortez en fait, hein, vous êtes en mode gothique et ainsi de suite. Hein. Vas-y, cuir corset, tout ça. On a l'air bien là-dedans. Tout à fait mon... Ah, tu le portes plutôt pas mal. Pas ce que j'aurais mis à la base, mais bon, on va faire avec. On a pris des masques aussi. Enfin, moi, j'ai pris un masque, j'ai demandé un masque. Alors, lui, il n'a pas de masque, hein, mais bon, il vous oriente vers un magasin, okay. Justement, où vous pouvez trouver ce qu'il faut. Hein. Utile. Ah. Et donc, vous avez récupéré 4 masques. Vous avez pris des vêtements aussi pour Stan. Ouais, enfin, on a essayé de calibrer sa carrure. Ok, pendant tout ce temps, hein, au bout d'un moment, vous retournez à la voiture. Prenez contact avec Stan, hein, qui lui vous fait le point par rapport à ce qu'il a pu voir sur le toit. Et vous lui faites le point sur ce que vous avez eu comme information. Vous voulez rentrer comme des clients? Ça. Tous? Bon, moi je suis en train de m'adapter à la tenue qu'on m'a pris. Et oui. Plusieurs fois, je rouspète en russe avec un regard noir vers Camille. Quoi? Si ça va très je bien. Montre. Tu n'avais qu'à venir... Très bon russe. J'essaye de voir si je peux glisser un couteau dans le corset ou quelque chose. Un couteau dans le corset? Si tu savais tout ce qu'on peut mettre dans un corset. Ouais, mais bon, pourquoi ça coule? Je veux dire, c'est des poignards qu'on vous a donnés. Je veux dire, c'est en passé des... Ils ont pas un étui. Oui, comment on va faire avec les poignards et le cube? Le cube, ça va, un poignard, ça se dissimule. Hein. Josh et moi, on le met derrière, on se tient bien droit, c'est bon. Quoi. Moi, mes flingues, de toute façon, je les mets holster, sous les bras. Je me mets en mode Undertaker avec grand chapeau à large bord. J'ai gilet pare-balles. Il y a un masque aussi. Par contre, les gilets pare-balles, ouais, même si on les met dans le dos, sans les tu vois, les mettre... Non, mais c'est trop encombrant, laisse tomber. C'est trop visible, voilà. Je vais garder mes poings américains dans les poches de mon pantalon. Normalement, c'est suffisamment discret pour passer inaperçu. Le poignard, comme disait Stan, si on se tient droit, ça passe. Et pour le reste... Alors... Par contre, s'il y a un détecteur de... Ça me rappelle quelqu'un. S'il y a un détecteur de métal à l'entrée, je vous préviens tout de suite. Ça va partir en vrille tout de suite. De toute façon... Un point où on en est, j'ai envie de te dire. Bamos. On créera une émeute de plus. C'est quoi les ceux qui créent les émeutes pour l'instant? Les extrémistes religieux.
Eh ben, on sera passé pour des extrémistes religieux. Allez, c'est parti. Donc, bah, vous attendez le soir, hein, bah, là, vous en profitez pour également aller manger. Ouais, on va se marrer. Forcément, hein, vous revenez pas avant 23h, où là, vous voyez bah, le néon qui est allumé, hein, en rouge, hein, portes qui sont ouvertes, vous voyez quatre videurs, en fait, hein, et déjà un peu de monde qui commence à faire la queue devant. Et en train de filtrer les personnes à l'entrée. On voyait, hein, ils ont le même style vestimentaire que ce que le vendeur vous a conseillé, avec différents masques et ainsi de suite. Et c'est vraiment une jeunesse décadente. Hein. Est-ce qu'ils ont l'air d'être scannés? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des détecteurs de métaux à l'entrée, justement, comme disait Stan? A priori, ceux que vous voyez rentrer n'ont pas l'air de se refouiller. Si c'est la question. Et est-ce qu'ils montrent une première bonne nouvelle? Il a priori montre quelque chose, oui, à l'entrée, à chaque fois. Je propose que Josh et Camille passent devant moi et Reinhardt. On les suit de près. Ils présentent des visages amicaux. Vu ma carrure et mon attitude, je suis pas spécialement jeune non plus. Donc. Mais de toute façon, c'est bien simple. Les deux plus jeunes, c'est moi et Camille, c'est ça? Voilà. Oui, bon, bah voilà. Donc, bah, chapeau, masque, et bon, hop, on est dans la file. Ok, bah, vous mettez dans la file d'attente, hein, oui, ça discute, ça rigole. Alors, prenez pas tout, hein, parce que beaucoup parlent justement en italien, hein, donc aucun de vous n'a de notion d'italien. Donc, vous faites la queue et tout ça, et puis ça arrive à votre tour. Videur qui vous regarde, vous dit quelque chose en italien. Comprenez pas. Josh. Je présente le carton, la carte. Peu qui. T'as un visage intrigué, il prend la carte. C'est pas ça. Commence à prendre un. Toki Walki, commence à. J'ai les bras qui se posent à l'intérieur, j'ai les bras croisés et qui touchent les crosses. Vous voyez qu'il a une réponse. Je mets mes deux mains dans mes poches, prêt à saisir mes points américains. Il repose une question, mais il te retend la carte et puis il s'écarte pour vous laisser entrer. Okay. Je m'avance, je fais signe aux autres de me suivre et discrètement je leur fais on est surveillé. Vous entrez à l'intérieur, hein, la lumière, beaucoup moins de lumière, hein, et puis vous voyez une jeune femme bien habillée en fait, hein, qui vous indique en fait compte, vous voyez un petit wagonnet de fête foraine qui vous dit quelque chose en italien. Surtout ne montez pas dans ces wagonnets. Donc bah, vous montez. Et c'est là qu'on fait pipi et caca. Le wagonnet qui démarre en fait, hein. Double porte qui s'ouvre. Musique techno en fin de compte, hein, qui vous arrive aux oreilles, hein, alors que vous voyez justement wagonnet qui tourne, hein, qui passe au-dessus d'une salle, hein, donc vous voyez différentes choses, hein, vous voyez des grands hangars, hein, il y a des fresques morbides en fait, vous voyez des couples qui s'étreignent au rythme d'une rave assourdissante. Vous voyez, autour de la piste, hein, cœur d'une église démente avec des statues taguées et des pentacles laser. Hein, au fond, vous voyez une rangée de machines clinquantes, hein, rescapées d'une fête foraine oubliée. Hein, vous voyez des crochets, ce genre de choses. Vous voyez les trucs que vous pouvez boxer, ainsi de suite. Hein, et le wagonnet qui descend, qui s'arrête, hein, et on vous invite à descendre des wagonnets alors que vous êtes dans cette immense salle, en fait. Eh ben, ils savent s'amuser ici. Je les empoigne, les trois. On se sépare pas. Non. On se sépare pas. C'est fou. On se sépare pas. Ça y est, la musique qui l'a rendu sourd. Allô? J'ai dit, on se sépare pas. Et la musique se coupe parce qu'il faut pas se faire vie. Ni des lunes d'ailleurs. Moi je regarde autour de nous pour voir si on
nous observent ou quelque chose. C'est difficile à dire. Les gens, ils font pas forcément attention à vous. Et du coup, tu regardes un peu à droite, à gauche et tout ça. Hein, et à un moment, t'as un mec qui vient vers toi, en fin de compte, hein, et qui commence à dire quelque chose en italien. Tu comprends pas. Mais je pose. Oh oui, tu vas te faire draguer par tout le monde, génial. Tu vois, en fin de compte, il commence à tendre un petit sachet, en fait. Je pose la main sur l'épaule de Camille, je la serre contre moi. Il y a des petites pilules, en fait, à l'intérieur. Bon, tu vois qu'il range dans sa poche et puis qu'il repart. Bon, maintenant. Moi je suis un peu paumé là-dedans, moi. Ah ben, il n'y a pas de problème. Vous voyez que je me trémousse un petit peu, moi, vers. Vous voyez qu'au-dessus donc, de la salle, hein, donc, vous voyez, bah, c'est chemin pour les wagonnets hein, de fêtes foraines hein, qui sont dessus. Et vous remarquez aussi qu'il y a une passerelle en fin de compte, hein, passerelle métallique qui semble mener. Bah, vous savez pas trop, des bureaux, un appartement, vous savez pas trop, en fin de compte, qui recule. Hein, voilà. C'est là où qu'il faut aller, effectivement. C'est un peu... Une petite tape derrière la tête de Josh. Ah mais il était dans le move, hein. Ah oh, ça va, tu gâches mon plaisir, vieux. Il était en train de avec une fille. Donc, you speak English, beauty? Yes. Bon, je vais rejoindre les autres rapidement. Donc vous voyez, ouvre la marche. Il y a un bar également où il y a pas mal de monde hein, qui commande des verres et ainsi de suite. On monte. Comment ? Ah, vous n'avez pas d'accès pour aller en haut, hein. Oui. Bah, je sais pas trouver. C'est toi le spécialiste des réceptions. Oui, mais pas des réparties. Hein, quoi ? Josh, tu veux pas essayer de trouver le moyen de monter en haut ? Bon, t'as un moyen de monter en haut, cherche un escalier, je sais pas. Mais j'en vois pas. T'as pas aveugle, mais ce que je sache. À l'habitude. T'as pas un scandale, ouais, bonne idée. Je regarde autour de moi, est-ce que je vois un quelconque endroit qui permettrait d'accéder. Commence à regarder, tout ça, et puis à un moment, oui, tu vois, bah, y a une porte, hein, sûrement une porte avec écrit privé, avec une personne qui est devant. Ouais, vous voyez, ouais. Costard, machin truc, hein. Avec il a une petite oreillette, hein, avec petit câble, hein. Tu reconnais la bosse caractéristique de sûrement quelqu'un qui a une arme et qui est là devant la porte. Camille, vous allez devoir faire travailler vos charmes, je suppose. Mais je vais pas faire ça, moi. Eh ben, tu vas apprendre, allez. Mais... Le but est de le distraire pour que notre ami Stan puisse arriver par derrière. Ouais, enfin, je peux très bien arriver sur lui, lui mettre le flingue sous la gorge, et tout simplement, il nous ouvre et on monte. Hein. Oui, ça fait un scandale pas possible au milieu d'une rêve partie. Très, très bonne idée. Le but est peut-être d'arriver à le faire plus ou moins discrètement. Là, je pourrais te poignarder sur le champ, il y a personne qui s'en apercevrait à part dans un quart d'heure. Tellement il y a du monde ici. T'entends des gens qui viennent vers vous hein, pour danser avec vous et tout ça, voilà. Moi je me mêle à la foule. Ah bah tu vois, il y a bon, quelqu'un qui te prend par la main et puis tu voyais. Au bout d'un moment vous regardez, mais où il est où Josh ? Bah justement, vous l'avez perdu. Fais gaffe. On va à la porte, hein, il nous rejoindra après. Et t'es en train de danser en fait avec quelqu'un qui a un masque hein, donc tu sais pas trop. A priori au vu de la silhouette, ça a l'air d'être une fille hein. Alors comme je parle français, je lui recoule quelques mots en français. Bonsoir mademoiselle. Tu veux qu'elle te répond en italien? Mais bien. Maybe you speak English. A little. Oh. What's your name, beauty? Elle te répond. Te donne son prénom, donc c'est Jenny. Jenny. Sûrement pas son vrai prénom, mais bon. Jenny. Such a beautiful name. Et je continue à danser, l'air de rien. Tout en... Okay. J'essaie quand même de loin, parce que bon, je me dis quand même que j'ai perdu les autres, donc de loin, est-ce que j'arrive à les voir? Bah, tu les vois qui sont un peu à l'écart. Toi, et t'arrives. Ils se rapprochent de la porte. Et tu vois que, ouais, apparemment, ils sont en train de se rapprocher de cette fameuse porte. Is it the first time that you go here?
te réponds que non, hein, que c'est une habituée, qu'elle vient très souvent ici. Who is the boss here? Can we see him or something? Je dis Jizai Khan et elle t'indique en fin de compte les bureaux justement qui sont en haut, au bout de cette fameuse passerelle. Oh, good. Thank you, sweetie. Et je, délicatement, je lui attrape le menton. Catch you later. Et je m'éloigne. Bah, je te demande pourquoi tu le cherches. Je lui réponds pas. Ok. Le mystère de Josh. Donc, bah, tous les trois... Alors, je suis en train de demander à Camille... Bah, la carte, c'est toi qui l'as, la carte? C'est Josh. Qui ça? J'ai Renard, tu as Josh. La carte? Josh. Hein? Qu'est-ce que vous avez à gueuler comme ça? Ramène-toi. Monte le petit. Je monte un petit geste vers le bas, petit. Je l'air de rien, je me rapproche. Voilà, au bout de quelques temps, alors que tu vois qu'ils sont... Ouais, ils ont du mal à se parler, tout ça, et puis toi, tu les rejoins, en fin de compte. Et pourquoi tu serais pas à la carte? C'est avec lui, Vigile. J'ai déjà fait repérer avec tout à l'heure. Si ça marche pas, on va pouvoir passer à autre chose. Tu veux vraiment la jouer comme ça? Bah, de toute façon, ils savent, ils ont téléphoné, donc ils savent qu'on est... que les détenteurs de la carte sont là. Ouais, bon. Avanti, comme on dit. Quatre personnes, pareil, bien en costard et tout ça, qui s'approchent de vous. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de montrer la carte. Eh, on a un qui vous dit en anglais, le boss voudrait vous voir. Parfait, on vous suit. Ça tombe bien, nous aussi. Il vous précède, donc vous le suivez, et les trois autres, en fin de compte, qui vous encadrent. Hein, vous passez cette fameuse porte, hein, la musique se fait un peu plus discrète une fois que vous avez passé cette porte. Vous arrivez dans un couloir hein, assez large. Vous voyez qu'ensuite, il passe une carte, en fait, hein, pour ouvrir une porte. Vous montez un escalier... métallique, et vous passez au-dessus justement de la salle sur cette passerelle en fait. Il ouvre la porte et vous arrivez dans un petit salon assez richement décoré. Eux ne vous suivent pas, ils referment la porte derrière vous. Donc vous êtes juste tous les quatre. La musique est un peu moins forte justement ici. C'est un grand canapé, des fauteuils, vous voyez un petit bar sur le côté. Vous n'êtes que vous quatre. Il y a une issue, à part l'endroit, à part la porte. Oui, il y a une autre porte. Bah, je m'en approche et je regarde s'il y a des caméras en même temps. Il y a une caméra dans la pièce. Et tu vois que l'autre porte est aussi avec une carte pour l'ouvrir. Merde. La caméra, elle a un angle mort, un endroit où on peut se placer pour ne pas être repéré. Ouais, je suis dessous. Se mettant en dessous. Je sors mon flingue, je pointe la caméra. J'arme le chien. Je vous fais un signe de tête. Oui, non. Je rengaine. Non, mais c'est besoin de comprendre que ce que tu voulais. La porte qui s'ouvre. Et vous voyez cette personne entrer. Wow. What? What the shit? Orc. Il rentre. Ouais. Et il ferme la porte. J'ai déjà mon flingue dans la main. Réflexe, hein, juste par réflexe. Hein. C'était pas un pseudonyme. Je regarde Reynard, je lui fais « C'était pas un pseudonyme. » Non. Comment avez-vous eu cette carte? Il vous fait un sourire carnassier. Je sais pas, comment t'as eu d'aussi belles dents? De naissance. Ah, bah moi aussi. Et je lui montre la carte, je lui fais « Bah moi aussi. » Pourtant, j'ai vu quelqu'un d'autre que vous l'avoir. Qu'il va falloir vous expliquer. Il me l'a offert pour mon anniversaire. Vous voulez voir quelque chose? Je sais pas, quelque chose de la même année que vous. Enfin, 43 ans, ça pourrait faire du bien. Un très bon choix. J'ai un whisky, assez ancien. C'est là que j'ai besoin de boire. Il va vers le bar, oui, il est assez détendu, hein, mais vous voyez qu'il est... Il est énorme, hein, il fait 2 mètres de haut, des muscles énormes, et il va vers le bar et il commence à servir 5 verres, en fin de compte, hein, et puis il les pose, il en prend un, trinquant.
mon flingue pointe vers le sol maintenant, mais j'essaie de, ouais, je le regarde de pied à la tête, quoi. Moi, je prends le verre. J'essaie de comprendre. Ah ben, tu ne comprends pas. Voilà. par contre, vous êtes quoi? Désolé, c'est la première. Je suis juste Ascaïn. Oui, mais vous êtes pas humain. Pensez. Ah bah, avec les dents que vous avez et l'âge, non. Il avale son verre. Je bois le mien avec. C'est un très très bon whisky, hein. Et ça se réchauffe, hein, tu le sens passer, hein. Quels sont vos rapports avec le boucher? Pourquoi je devrais vous le dire? Parce que j'ai demandé poliment. Et si je vous réponds pas, vous demanderez moins poliment? J'essaierai d'avoir d'autres arguments. Que vous pourriez répondre gentiment? Pas notre genre. Il s'assoit dans un des fauteuils. La formation, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? T'as peut-être pas posé la bonne question. Si vous voulez parler d'argent, ça ne me pose pas de problème. Moi, je pensais plutôt à... Vous me semblez certains d'entre vous assez appétissants. Je suis pas comestible, hein, vous savez. Je veux bien tester pour en être sûr. Non. Et quels sont vos goûts? Vous préférez les hommes, les femmes, les enfants? Quel groupe sanguin? Quelle ethnie? La chair humaine, ça me va bien. Pas trop vieille, par contre. C'est un peu dur sous la dent. Combien de personnes on parle? Ça dépend de ce que vous voulez savoir exactement. Ce que vous savez sur le boucher. Ça peut coûter cher. Autant que vous. Vous êtes quatre. Il se resserre un verre. Si vous voulez, je peux sortir aussi. C'est vrai à moi. Reinhardt, Camille, vous allez tous les deux me faire un jet d'endurance. Oh merde. Ça passe. Camille, lente. Tu sais pas pourquoi, mais... J'ai envie de dormir, là. Et... Vous la remarquez tout de suite, hein, Camille? Je regarde dans la pièce s'il y a un vase ou un bassin, n'importe quoi. Oui, il y en a. Un bol. Je mets le bol devant son visage, je lui bascule la tête en avant, je mets mes deux doigts au fond de sa gorge et je la fais dégueuler immédiatement. Donc tu prends le bol, en fait, compte, hein, tu commences à prendre sa tête, commences à mettre tes doigts, hein, et puis là tu te sens tiré en arrière, en fait, hein, par un bras monstrueusement musclé. Et vous, Reinhardt, Josh, hein, vous voyez, ben, Jizaikan qui a pris par le col Stanislas, hein, qui le retire en arrière. Ce serait dommage de faire ça. Tu sens une poigne assez énorme. Ce serait dommage d'en arriver là, mais j'ai besoin d'elle en état. Et j'ai besoin aussi de toucher le sol. Vous savez qu'on a déjà eu maille à partir avec le boucher. Et alors? Ce serait bien qu'on ait une bonne entente. Vous êtes quelqu'un de puissant, je suis prêt à marchander avec vous. Le boucher est bien plus puissant que vous, hein? Il va changer ce monde. Vous n'êtes que du bétail. Et toi, t'es censé être quoi? Il a une grosse bouche. Celui qui va tout déguster. Bon, bah, s'il me prend seulement par le col... Je vais me charger en droit. Bah, vas-y. Je comptais tenter autre chose, mais tant pis. C'est des silencieux. C'est un silencieux. Ouais. Tu vois que tu tires... Oh. Et... Il reste debout. Quelqu'un qui vient de se prendre une balle à bout portant et il est encore debout. Or, il saigne. J'imagine, de toute façon, il est pas humain. Voilà. Maman. Josh. Next. J'ai équipé mes deux points américains et je me tiens sur la défensive. Ok, ça marche. Reinhardt. Ah là, Reinhardt, il est panique.
Il sait pas là, pour l'instant il est en mode Moi je suis effondré sur le canapé. Ok, ouais, toi t'essayes de résister, hein. Ouais. Tu t'es pas écroulé, mais c'est vrai que t'es à deux doigts, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? Et donc tu comprends pas trop, hein, et bah, toi Reinhardt, hein, il essaye en fait de te donner un coup, hein, mais heureusement, sûrement déstabilisé par la balle qu'il vient de se prendre, hein, il te touche pas. Là, le réflexe, à mon avis, c'est... Donc vas-y, Stan. Moi, je colle les canons directement sur l'avant-bras et là, je tiens. Donc là, pour rater, il va falloir quand même se lever tôt. Ou 12 et 28. Tu tires, hein, et c'est vrai que t'as les balles, hein, qui... Oh, et il pousse un cri de douleur, hein, alors que ça lui déchire les muscles, hein. Oh, il pousse un cri horrible. Je suis à portée de lui, là. Tu peux lui sauter dessus, oui, si tu veux. Bon, bah dans ce cas, je vais essayer de lui mettre quelques coups, ouais, effectivement, au point américain. T'essayes, hein, tu lui sautes dessus, t'essaies de le taper, mais bon, tu vois, lui, il s'est reculé au moment où il a pris le coup, hein, et donc ça t'a fait louper, Reinhardt. Moi, je vais faire, j'ai sorti le flingue et je suis en panique, donc je tire. Ouais, tu tires, et ton coup qui part, en fin de compte, hein, qui va s'écraser dans le plafond, en fait, hein, et lui essaie de te redonner un coup, Stan, ce coup-ci, il passe. Ah bah ouais, si, bah oui, si. Il m'a pas lâché, de toute façon. Il t'a pas lâché, hein. Donc, oh la vache, foiré. Ouais, donc il te donne un coup de poing. Oh, ça va faire bobo. Oh, et c'est... plié en deux par la douleur, en fait, hein. Tu tombes au sol par le coup qu'il vient de te mettre. C'est... T'as jamais ressenti ça. Même le boucher, il te faisait pas autant. Pourtant, tu t'en es déjà pris des coups de lui. Josh? Oh bah, là, quand je vois Stan qui se fait défoncer, je, dans un accès de rage, j'essaye de lui mettre tous les coups de poing que je peux. Je vous rappelle que vous avez des points d'héroïsme encore, hein. Je frappe du droit et du gauche et Donc tu vas me faire 2 G au corps à corps, t'auras un malus. Bah, sur le deuxième, je vais mettre un point d'héroïsme. Moi, je suis par terre et je sors de la mousse de ma bouche. Et le deuxième, je rappelle, j'ai mis un point d'héroïsme. Ok, bah donc les deux passent, hein, donc tu peux me faire les dégâts. On lit ça. Ok, hein. Tu lui donnes deux coups assez violents, hein, surtout le premier, hein. On a senti toute la rage, hein, et tu vois qu'il recule. Il a lâché Stan, du coup, hein, et il recule en arrière, Reinhardt. Point d'héroïsme, je retire. You lose. Donc tu tires encore une fois et puis tu vois que lui en fait, hein, les deux coups qu'il s'est pris, son bras qui est ensanglanté et tout ça. Ok, et il pose un genou à terre. Ok. Et il lève la main comme ça, hein, parce que son autre bras est ensanglanté. Il lève la main pour signifier qu'il se rend. Donc Stan, voilà. Toi, tu... Voilà, qu'est-ce qu'on fait, Stan ? J'essaye de me relever. Tu te relèves, hein, t'as mal, hein, mais voilà. J'essaye de faire en sorte qu'il s'appuie sur moi. Reinhardt, toi, tu le braques toujours, hein, en tremblant un peu, mais tu le braques. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me cale sur le mur. Ça va, Stan ? Non. Et heureusement que la pièce s'est capitonnée, hein, on n'a pas entendu... Bon, après, vous aviez des silencieux doux, ça. Et je mets du mobilier pour caler mon coude. Et mon flingue, il est orienté vers la tête du gars. Ah, on fait quoi? Moi, je suis toujours en posture... Quand je vois que Stan est à peu près calé, je me retourne vers lui et je reste en posture de combat. Josh, occupe-toi de Camille. Et là, je crache du sang. Je regarde l'état de Camille, comment elle va?
Tu vois qu'elle est quasiment endormie là. Je lui mets quelques tapes sur la joue. Réveille-toi, princesse. Le boucher, il voulait un poignard. Où est-il, ce poignard? Je l'ai donné. Là, il est passé il y a quelques jours et je crois qu'il est parti pour le Japon. Il voulait récupérer un programme mystérieux, je sais pas trop quoi. Oh, c'est bordel. Tout ce que je sais. Le programme de Kobayashi? J'en sais rien. Tout ce que je sais. Écoutez, c'est ça. Je me tourne vers les autres quand je dis ça. De quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est que le cube? Qu'est-ce que c'est que ces poignards? Qu'est-ce que c'est que le réseau divin? Qu'est-ce que J'en c'est que rien, cette merde? J'en sais rien. Ah, le poignard, il avait été exhumé dans l'antique Babylone. Je l'avais acheté. À qui? Babylone? Au marché noir. Des contacts. Des noms, des numéros. Ils te donnent des noms qui te disent absolument rien. C'est... Clairement, oui, ça a l'air d'être des pseudonymes de marché noir. Est-ce que... Où trouver d'autres poignards? Dis-nous tout ce que rien. Tu sais. Je vous ai dit tout ce que je savais. Tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu es. T'as pas besoin de le savoir. Si, je lui tire dans la main. Tu lui tires dans la main, hein, et il pousse un cri de douleur, en fait, hein, et au moment où tu fais ça, en fin de compte, lui se jette sur toi. Je finis de tirer, moi. Parce que c'est, voilà. Lui, il part, en fin de compte, hein, et puis tu continues de tirer, hein. Tu tires une balle, deux balles, trois balles, et il s'écroule au sol. Il bouge plus. Je prends mon deuxième flingue, et... Je lui tire trois balles dans la tête, dans l'arrière du crâne. Tu lui tires trois balles. Il y a du sang qui s'écoule de lui, qui est en train de tacher la salle. Toi, Camille, ça t'a fait. Tous ces coups de feu, quand même, ça t'a fait sortir un peu de ta torpeur. T'es pas. Je suis pas. T'es pas bien. Non, je suis pas bien. Les gars, ça va pas. Il faut c'est trouver un moyen de sortir. Je fouille le corps de l'autre là à la recherche éventuellement d'une carte. Tu trouves son passe dans sa poche intérieure. Il a rien d'autre? Sur lui, non. Rien d'intéressant. Là, un briquet, ce genre de choses. Ok, on se tire. Tan, tu peux marcher? Oui, mais je vous préviens, ce qu'on va trouver de l'autre côté de la porte, à mon avis, ça sera pas joli, joli. Je me doute. Je recharge. Il n'y a pas un accès dans son bureau. Camille, essaye d'aider Stan à marcher. Reinhardt, avec moi. Camille est incapable, hein. Non, c'est j'ai du mal à marcher, alors. C'est plutôt moi qui vais aider Stan et bon, bah alors, Reinhardt, viens aider, va aider Stan à marcher et Camille reste avec moi. Par contre, il n'avait pas un téléphone sur lui? Non, là, il n'avait pas de téléphone sur lui. Okay. Si on trouve son téléphone, ce serait bien de le récupérer pour Prometheus. Je laisse Camille, je fais en sorte que Camille reste très près de moi, je passe la carte dans le truc pour ouvrir la porte, et je Quelle dis... Quelle porte? Celle par où vous êtes venu ou celle par lui où il est venu? Celle par laquelle lui est venu. D'accord, bah tu ouvres la porte en fait, hein, qui donne sur un bureau, tu vois, avec une baie vitrée qui donne sur la salle qui est en dessous. Ah merde. Merde. Et il y a une autre porte hein, aussi, hein. Ah. Peut-être regarder le bureau vite au passage. Ouais, le bureau. Check. Checker le bureau. Il y a un ordinateur, il y a des papiers, tu vois, des comptes apparemment de la boîte. Rien de très intéressant. L'ordi, il est comment? Il est allumé? On peut y accéder? L'ordinateur demande un mot de passe. DCL, essaye. Prends le disque dur, on s'en fout, prends tout. Ok. Quand j'entends dire ça, je hache la tête et je chope le disque dur. C'est un portable, okay. C'est... C'est un ordinateur de bureau, donc ouais, bah tu...
Tu démontes l'ordinateur et tu récupères le disque dur. Il y a une autre porte, tu dis ? Oui. Elle mène vers où ? On le voit à peu près ? Non, tu vois pas par où elle va. Ok. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte, hein, tu vois que ça mène à une passerelle également, hein, et un escalier qui descend. Apparemment, okay. Vers l'arrière. Ok, on peut partir par là. Donc, vous avancez, hein, vous descendez en fait. Vous ouvrez la porte, hein, qui donne sur la cour intérieure que toi tu avais vue, Stanislas. Faites gaffe, il y a certainement les maîtres chiens. A priori, il n'y a personne dans la cour. Donc. Faut rester attentif. Ok. Écoutez. Fais signe à Camille d'avancer discrètement et je check un peu, je regarde un peu la zone tout en avançant. Vous avancez, hein. Oui, t'entends un peu plus loin des aboiements, mais peut-être un chenil ou autre, hein. Mmh. Ça, tu pourrais pas dire. Mmh. Et vous arrivez en fin de compte jusqu'à la porte arrière. Tu arrives à sortir et vous arrivez finalement dans la rue à l'extérieur et assez rapidement, vous éloignez. Du bâtiment. Je monte à l'arrière et je dis il faut contacter Prometheus. On appelle J'éructe du sang encore une fois. Une fois que j'ai dit Stanislas, ça se met dans la voiture de toute façon. Et vous avez au téléphone son homme de main. Passez-nous Prometheus. Tout de suite. Et moi, je démarre la voiture et on part. Hein. On ne reste pas sur place. Je vais me charger de l'appel. Oui, allô ? Prometheus, ici Josh. Oui, Josh. Nouveau. Oui ? On a été au Pandemonium en Italie. Et on y a trouvé Jizai Khan. C'était tout sauf humain. D'accord. C'était en bon joueur de jeux vidéo, je vous dirais que c'était un orc. Vous voyez à peu près ? Un orc ? Ouais, un orc. Je sais que ça paraît complètement improbable, mais c'était ça. Ça se nourrissait de chair humaine et... Depuis qu'on s'est revu, il n'y a que des choses improbables, donc je vais vous croire sur parole. On y a également appris l'autre chose. Apparemment, il a filé un poignard au boucher. Boucher qui serait apparemment en route pour le Japon, histoire de récupérer un programme informatique. J'ai une théorie. Je pense que c'est le programme de Kobayashi. Kobayashi ? Oui. Ah, ça n'a pas été évident si vous voulez le rencontrer. Mais c'est pas logique. Mais qu'est-ce qu'il fait d'un programme de pilotage ? T'es avec nous ? Pas. Quoi que si. Il s'en fout. Il peut voyager où il veut. Ouais. Ou alors, il n'y en a pas qu'un. Peut-être. Oh non, commencez pas avec ça. Ça me fout la chair de... Écoute, Reinhardt, je sais que c'est pas forcément les trucs les plus agréables à entendre, mais il faut qu'on envisage toutes les situations. Josh, j'ai besoin de soins. On va aller pour ces choses-là, moi, papy. Je suis dû pour tuer, pas pour soigner. Je suis américain. Qui est-ce qui a besoin de soins, là ? Stanislas, il s'est pris un méchant coup. Très méchant coup. Ce truc avait aussi une force surhumaine. Vous allez où, là ? À l'aéroport. Ok, je vais faire en sorte qu'une équipe médicale vous accompagne dans le jet. Vous partez directement pour le Japon ? C'est le mieux à faire, je pense. On n'a pas le temps pour s'arrêter en route. On n'a pas le temps à perdre. Ok, je m'en occupe tout de suite. Tenez-moi au courant, je raccroche. Vérifiez qu'on n'est pas suivi. Je regarde dans le rétro. Je suis un peu plus attentivement depuis qu'il me l'a dit. Tu vois qu'il y a une voiture en effet derrière vous. Ok, j'essaye de prendre, tu vois, une perpendiculaire et puis de reprendre le même chemin avec une parallèle dès que je peux. Ok, tu te tournes à droite en fin de compte, hein, et la voiture a continué tout droit. Ok, je retourne à gauche pour retourner sur la route. Vous. Je défais mes vêtements, est-ce que j'ai un putain d'hématome de. Ouais, c'est. La violence du coup, en fait, hein, il t'a frappé dans l'estomac, hein, ça t'a coupé la respiration d'un coup, hein, c'est. Et d'ailleurs, hein, vous voyez, hein, ceux qui sont à côté, ceux qui ont regardé, hein, vous voyez que
au niveau de son plexus solaire, juste en dessous de son plexus solaire, hein, il a un hématome assez important. C'est vilain, ça. T'as vraiment pas loupé. Eh oh Stan. Merde. Donne des baffes. Reviens. Non, attends. C'est peut-être mieux pour lui, en vérité. Vous continuez vers l'aéroport. Vous passez, rendez la voiture, passez à nouveau les portiques par le côté, par justement vos accès que vous avez grâce à Prometheus, hein. Et l'équipe médicale prend en charge Stanislas alors que vous montez dans l'avion. Le boucher a trouvé un troisième poignard. Il est parti au Japon en quête d'un programme mystérieux. Le prochain acte va se dérouler à l'Empire du Soleil Levant. Voici que conclut l'épisode 4. Tantantan. Ça pue. Ça pique. Je... Ça fait peur. C'est trop marrant.